Quelqu'un qui a tiré. Prenez bébé et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous risquez votre vie. Parce que vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. De voir le lien en fait entre John et Cliff. Faut savoir que John c'est Die Hardman. Oh là là, c'était la merde. C'est la grosse merde, les gars. Vous vous sentez bien? J'ai consulté vos infos. Apparemment, vous avez été pris dans une supercellule. Et en une fraction de seconde, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du point zéro. À deux pas de la ville relais portuaire. Alors comment j'ai atterri là? Vous vous rappelez Victor? Il vous a trouvé près du port, vous étiez inconscient. C'est lui qui vous a ramené là. Il se pourrait bien que Cliff soit le père de Lou. Il a dit, vous allez me rendre mon bébé. Non, c'est impossible. Cliff est né, il... Et il m'a donné ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on ignore sur les bébés, sur leur conception. J'ai pas eu l'impression qu'il nous voulait du mal, en tout cas. Je crois qu'il voulait seulement discuter, je dirais. Mais vous avez dit que vous l'aviez vu pointer son arme sur le directeur sur la grève. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un passé commun qu'on connaît pas. Eux deux et Bridget. C'est drôle parce que justement, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis tombé dessus en faisant des recherches dans les archives. Il s'agit d'un message préenregistré du directeur intitulé « Si jamais je ne reviens pas ». Ce message me servira de filet de sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose. Accès réservé à Bridges. Et j'espère vraiment que c'est Bridges qui le regarde. J'ai eu droit à un cadeau de la part d'Amélie. Elle a dit qu'elle voulait bien me conduire sur la grève. Mais que j'aurais besoin de ce poupon pour me guider à elle. C'est un piège. C'est évident. Pourtant, je vais jouer le jeu pour cette fois. Après tout, vous jouez tous le jeu, vous aussi. Vous savez bien que ce masque ne cache pas uniquement mon visage.
Ah, bête gueule. Le fait est qu'Amélie aussi est une page vierge. Aucun historique, aucun document attestant de son existence. C'est un fantôme. Et le truc avec les fantômes... Je n'ai jamais vu Amélie en personne. Et vous? Vous l'avez déjà rencontrée et lui avez serré la main, l'avez touchée. L'équipe d'origine qui a été envoyée dans l'Ouest était divisée en deux groupes. Amélie est partie avec le premier. Quant à Mama et Hartman, avec le deuxième. Ils n'ont eu aucun contact direct. En effet, le groupe d'Amélie a été décimé au relais frontière. Tous morts sauf elle. Et tout ce qui pouvait dire si elle était physiquement là ou pas. N'importe quoi. Elle est réelle. J'ai déjà touché, moi. T'sais, on se connaît, puis... Pour ma part, je n'ai eu d'interaction qu'avec son hologramme. C'est ce que je vous dis. Je l'ai vu, moi. Et en personne. Puis on se voyait tout le temps avant. Je sais, oui. Mais seulement sur la grève. Voici ce que la présidente avait à dire au sujet de sa fille. Amélie est née sur la grève. Son cas... lui est resté là-bas, tandis que son A est venu dans notre monde. Cette séparation entre son corps et son âme l'a obligé à passer la majeure partie de son enfance à l'hôpital. Mais malgré une santé fragile, son Dooms lui était vraiment hors norme. Au fil du temps, elle a su développer ses dons surnaturels et dépasser ses propres limites. Et quand elle a atteint l'âge de 20 ans, elle était capable de faire des allers-retours sur la grève. Et c'est là qu'elle a commencé à y passer tout son temps. Dès lors, si on voulait entrer en contact avec Amélie, c'était uniquement par hologramme. La présidente insistait sur ce point. J'avais prêté serment à la présidente, ainsi qu'à l'Amérique. Donc pour moi, tout ce qu'elle disait faisait loi. Alors quand elle a dit qu'Amélie était sa fille et qu'elle serait la mieux placée pour lui succéder, moi je l'ai cru. Mais quand on a enfin restauré les archives, je n'ai pas pu m'empêcher de tester les limites de mes droits d'accès. C'est comme ça que j'ai découvert que Bridget avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine et ne pouvait pas avoir d'enfant. Merde. Vous voyez, tout ça n'est pas logique. Il est impossible qu'Amélie soit la fille biologique de Bridget. Ça doit être un... genre un clone. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Vu la ressemblance. Qui est-elle? Est-elle au moins réelle? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'Amélie est bien un agent d'extinction, si on n'a même pas la certitude qu'Amélie est bien Amélie? La théorie des AE pourrait aussi bien être du flan, que je sache. Mais si c'est vrai... Et si elle est bien la cause de ce Death Stranding, alors il faut que j'accepte son invitation. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. J'ai pris des balles hématiques. Avec le sang de Sam. Évidemment. Ce qui fait que mon arme est reliée à elle. Mon sang. À moi, à lui. À nous tous. Par conséquent, je devrais pouvoir l'emporter sur la grève. Je vais mettre un terme à ce qu'elle a commencé. En l'arrêtant, elle. J'ai encore une chose à dire. Je ne suis qu'un homme. Aucun pouvoir, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas le Dooms, donc je ne peux pas me rapatrier comme Sam. Je ne connais rien à la mort, je ne m'en suis jamais approché assez près. En revanche, je connais bien l'enfer. Chacun des champs de bataille, c'était l'enfer. Mais aussi dur que ça ait pu être, j'y ai survécu. Parce que ce que je sais faire de mieux, c'est fuir devant la mort. Voilà. Je dois y aller. Elle est en train de m'appeler. Bridges, ne me laissez pas tomber. Ok, c'est vraiment bizarre. Après avoir enregistré ça, le directeur est passé sur la grève. Ou plutôt, Amélie l'a invoqué là-bas. Il tenait Bridget en joue quand je l'ai vu. Puis Cliff est apparu, il l'a emmené.
j'avais cru comprendre qu'il partait pour la greffe pour affronter Amélie. Oui, elle était là, elle aussi. C'est elle qui m'a fait sortir. Oh. Bon sang, c'est tellement évident. J'en reviens pas de ne pas l'avoir compris plus tôt. En fait, c'est Amélie qui... Comme par hasard. Qu'est-ce qui se passe? C'est le réseau chiral qui nous a lâchés. Et si on en croit le pneu, d'ici peu de temps, il sera complètement inutilisable. Mais alors, on s'est donné tout ce mal pour rien? Laissez-moi donc aller au bout de mon idée. Je vais le lui dire. Fragile. Vous avez pas l'air bien, vous devriez vous reposer. Je sais. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu une petite discussion avec Higgs sur la grève. Il a pas mis très longtemps à cracher le morceau. Il a dit pourquoi il vous avait trahi? Il a dit que c'était son plan à elle. Quoi? Que c'était elle, la chef. Toutes ces néantisations, ces étapes menant à l'extinction. Amélie était derrière tout ça. Évidemment, ça l'arrange. Je sais combien c'est difficile à croire. Mais ça coïncide avec ce que Die Hard Man a dit. Higgs m'a trahi après avoir rencontré Amélie. Au départ, tout ce qu'il voulait, c'était étendre son territoire en se servant de mon pouvoir. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on s'est associés. C'est pas un terroriste. Il voulait juste atteindre plus de monde. Et puis, elle a débarqué avec ses capacités bien supérieures aux miennes. Merde, elle arrivait même à contrôler les échoués. Alors Higgs a décidé de la suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait de lui son agent d'extinction. C'est Amélie qui lui a donné ce pouvoir? Ouais. Elle a fait de lui son homo demens. Et Bridget, alors? Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait sur la grève? Vous avez la réponse à ça? Je sais que c'est dur à avaler. Mais Higgs a lui-même avoué qu'Amélie était un agent d'extinction. J'ai bien regardé sa capsule. Il n'y avait aucune trace de bébé. Regardez ce que j'ai trouvé à la place. C'est le même poupon que celui de Die Hard Man. Ça leur sert de brise-brouillard. On pensait que c'était les terroristes qui avaient ressorti les bébés et que Bridges avait seulement suivi le mouvement. On se trompait. Ils ont une façon de faire qui n'a vraiment rien à voir avec la vôtre. Vous, votre bébé, vous relie au monde des morts. Leur poupon les relie à Amélie et à sa grève. Je vais vous dire qui d'autre en a des poupons de ce genre. Cliff. Je me souviens que j'en ai vu sur les champs de bataille. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Mais qui peut bien être cet AE, au juste? Laquelle des deux? Bridget ou Amélie? Tout ce que je peux dire, c'est que les réponses se trouvent sur la grève. Ce qu'elle veut et pourquoi. Si on découvre le fin mot de l'histoire, on a peut-être encore une chance d'empêcher l'ultime Death Stranding. Il faut vraiment que vous la trouviez, Sam. Et peu importe qui elle est vraiment. Elle attend que vous veniez la rejoindre. Revenez vite à l'est. Putain. Ça devient vraiment sordide, hein, Lia. Amélie, en fait, Amélie, c'est notre grande sœur, en fait, dans l'histoire. Enfin, entre guillemets, parce que maintenant, plus rien n'est vrai, en fait. Sam, la connexion est instable, alors je ne vais pas m'étendre. On a une mission pour vous. L'état de Fragile se dégrade à vue d'œil. Si elle tombe dans le coma, il y a un risque que son âme reste piégée dans la grève. Elle a besoin de cryptobiote le plus rapidement possible. Heureusement pour elle, Fragile Express en a une réserve dans la ville relais portuaire. Il faudrait que vous puissiez en récupérer quand vous serez sur place. Vous trouverez tous les détails sur le terminal à l'étage. S'il vous plaît, Sam. C'est vraiment important. De toute façon, je suis obligé. Bon, on va prendre un petit peu de Monster. On va s'enfiler trois. Puis on va aller pisser, prendre une douche, puis après c'est parti. Hmm.
Ouais, encore une petite dernière, je pense. Ok, maintenant, bref, on va aller faire pipi. Ah, dégage. D'un côté, bah, je comprends maintenant pourquoi Amélie était froide avec Fragile quand on était sur la grève. Limite, elle voulait dire dégage en fait. C'est ce qui m'a vraiment interpellé en fait dans cette séquence cinématique. Enfin bref. Allez, on va prendre une douche. Honnêtement, ça j'ai jamais utilisé. Hein, ça me fait... Les grenades comme ça, jamais. Quel jour on est aujourd'hui, bébé? Aujourd'hui serait un jour très spécial si ta maman n'était pas... Tu n'es pas encore né. Mais plus il y a de bougies, mieux c'est. Pas vrai. D'ici très peu de temps, tu vas enfin nous rejoindre dans le vrai monde. Je te promets. Ce jour-là... Wow. D'ici là. Bon anniversaire. Putain, en fait c'est un bon père, hein, sans déconner. Même si c'est un soldat qui a tué pas mal de monde, ça reste pas un bon père. Non, je déconne. Sam, consultez le terminal pour voir vos commandes. On va tout faire pour sauver Fragile. D'un autre côté, enfin, c'est une victime. On va récupérer de la moto. N'oubliez pas. En fait, j'avais des poches de sang, je voudrais les recycler, histoire de faire un petit peu de place. Commande attribuée. Ah d'accord, je peux pas recycler, merci bien. Évidemment, putain. Ah ouais, ça aussi j'avais oublié, putain. Ah.
très tranquille. Encore une fois. Oh putain, c'est sérieux. Sérieux, mais comment on peut jouer comme ça là sans déconner avec des mouvements sincères comme ça. Ça a l'air de se calmer. Ah, c'est bon. Eh hey, ma moto. Oh, la moto elle est sur la... sur le toit. Non. Rends-moi ma moto. Espèce de... Vas-y, rends-moi ma moto, s'il te plaît. Oh. Putain, vous y croyez, ça? Vous y croyez, ça? Rends-moi ma moto. Putain, mais... Bon, on est obligé de faire ça à pied. Non mais merde. Putain, en fait c'est à cause de l'échouer en fait. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais un petit peu plus loin de la tour. Et à cause de l'échouer qui a, vous savez, a fait bouger pas mal de choses. Il a atterri devant, enfin sur la tour. Et quand les chevaliers est parti, tout est remonté en fait. Putain, mais la grosse blague quoi, mais merde. Écoutez, on va aller là. Histoire que ça sauvegarde en fait. Ah, le jeu veut vraiment ta peau, lol. C'est tellement vrai. Avant, je pouvais conduire des mules. Bon, c'est un petit peu plus chiant à conduire parce que. Non, pas tant que ça en fait. On le reprend. Pas tant que ça. Là, les gros camions des mules là, c'était idéal. Sauf que en termes d'autonomie, ça partait trop vite. Presque aussi vite que la moto. On va essayer de récupérer la moto, enfin une nouvelle moto, si on peut. Je sais qu'il y a
des relais, des villes relais où il n'y a pas forcément des motos dans le garage. Ça aussi c'est chiant. C'est quoi ça, une zone de construction? C'est qui veut construire ici? Ça c'est un joueur qui a voulu construire un truc ici. Lancement du scan. Scan de l'identifiant. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Ah, c'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'entendais genre des craquements. Comme si je sais pas. Oh non! Je vais faire le contraste. Chier là. Oh non, c'est cinématique. Calme ton bébé, lol, calme bien. Non, on sera pas quand même obligé de faire ça. Vaincre l'échouer? Mais comment? Mais j'ai presque plus de munitions, gros. Comment? Si j'avais su, j'aurais gardé, j'aurais fait tout, plein de munitions, lance-grenades et tout. Pas d'item dans le parage. Thank you.
fait plus de sens, c'est quoi ce délire? Ah, poche de sang. Ah, vas-y, file-moi la bouche de sang, s'il te plaît. Oh, merci. Squelette, sérité. Non. Ah, ça, c'est cool, merci. Dernière.
qui m'a attaqué. Putain, c'est quoi cette attaque qui m'attaque Ah, sur le côté. Ah, le cul. Mais bébé, tu me préviens même pas. Gros, tu me préviens même pas. Attaquer par des...
super, vous avez réussi, Sam. Oh, je suis tellement soulagé. Je crois que je pourrais vous embrasser. Ouais, j'ai bien cru que c'était la fin. Tu te calmes, mon chien. T'es pas le genre de type que je voudrais embrasser, tu vois, même bourré. Je vais encore récupérer un petit peu de sang, microbiote. Non, cryptobiote, pardon. Merci, Nero. Je te remercie. Le lance-grenade. C'est tellement important. Alors, ce qu'on va faire en bas, on va arranger. Oh putain. Ryuma Moto. Ah bah voilà. Ça, c'est intéressant, putain. Lance-roquette. Et la moto, elle est ruinée. Genre, quand un secousse. Quand une secousse, elle se pète. Alors d'abord on va recycler des trucs. Ah non, on peut plus recycler maintenant. Attends. Je comprends pas. Ok, la capitale relais, là on est où là? Non! C'est pas le bon endroit. Non! Bon, tant pis. Putain, je pensais que c'était ici. Thank you.
Quoi que c'est? Oh, parce qu'on est mort deux fois, il me semble. Oh, bah, je m'en fous, perso. Sam! Vous revoilà. Le périple a dû être tellement éprouvant, d'autant que vous étiez tout seul. Enfin bref, à présent, toute l'équipe est réunie. Toute l'équipe est là? Derrière de Manosé. Elle a fait en peu de temps beaucoup trop d'allers-retours entre les grèves et ici. La matière qui râle a contaminé ses cellules. Ce qui a provoqué une espèce de jet lag au niveau moléculaire. Et résultat, ses mécanismes homéostatiques sont très perturbés. Mais ça va, elle ne court aucun danger. Seulement, il faut vraiment qu'elle se repose. Et il est où le directeur? Il est sous surveillance, dans une autre pièce. Des employés l'ont retrouvé sans connaissance, pas loin du service d'isolement. Comme vous, quand vous êtes revenu de la grève de Cliff. Malgré les séances de décontamination, elle avait besoin de plus en plus de temps pour se remettre. Ça l'a réveillé. Sam, vous êtes là. Un petit creux. Merci. On dirait que vous avez besoin de moi. En fin de compte. Quoi qu'il en soit, nous devons faire vite. J'ai vu juste. Nous avons Sam. Le super livreur. Le seul à être capable d'atteindre la grève d'Amélie. Vous êtes trop faible pour tenter de faire ça. Ce n'est pas juste envers vous, ni envers Sam. Pendant que je cherchais la grève d'Amélie de mon côté, j'ai réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire. Si l'on considère que les grèves sont comme des multivers, la sienne, elle, n'est pas au même niveau que les nôtres. Elle se trouve à un niveau qui est supérieur. Moi, je peux arpenter la grève d'autrui, mais la sienne, je n'arrive même pas à l'atteindre. Elle est invisible et inaccessible, même pour Fragile, je le crains. Visualisez tout ça comme un système circulatoire, si vous voulez. Dans ce contexte, nos grèves sont des vaisseaux capillaires sanguins. Mais la grève d'Amélie, c'est le moteur qui pompe le sang, le cœur du système. Les vaisseaux capillaires sont de simples subordonnés dans cet ensemble. Un ensemble qui est régi par le cœur, qui détermine le sens du courant, qui impose aux autres le flux, qui impose aux autres ses règles du jeu, qui a la main mise sur le reste. Vous comprenez? C'est elle qui détient le pouvoir. Avec un peu de chance, vous arriverez à avancer à contre-courant pour rejoindre sa grève. Mais une fois que ce sera fait, si elle choisit de ne pas vous laisser partir, et si elle préfère vous garder auprès d'elle, elle en est capable. Fragile et Dayardman ont bien réussi à s'échapper de sa grève. Je pense que c'était assez semblable à ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas partie parce que je le voulais. J'ai été poussée dehors, ou rapatriée, en un sens, de son fait. Poussée dehors? Pourquoi? C'est seulement une hypothèse, mais... C'est vous qu'elle veut. Elle veut que vous la rejoigniez. C'est sa dernière volonté. Vous ne croyez pas? Alors ça y est, on y est. Amélie est là, eux, et on entre en phase finale. Bon, je récapitule. Si je veux empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau... Faut que j'aille sur sa grève, la convaincre d'arrêter. J'ai bien tout compris? Tout à fait. Et même si vous allez trouver ça un peu cliché, vous êtes notre seul espoir.
Mais très honnêtement, je crains que vous ne puissiez la faire changer d'avis. Bah, tentez notre chance. Si vous ne pouvez pas la ramener à la raison, il vous faudra la tuer. Si vous en arrivez là... Vous sauverez le monde. Mais vous resterez coincé à l'extérieur. Pour toujours. Autant rendre ça officiel, alors. Vous êtes prête pour la prochaine livraison ? Putain, elle a l'air tellement malade. Elle est tellement pâle. On dirait qu'elle va bientôt tomber par terre, en fait. Je vais tenter le coup. Ça pourrait marcher. Enfin, vu l'état de notre monde, ça ne fera que retarder l'inévitable. Mais bon... Si ça nous permet de gagner du temps pour bâtir quelque chose de mieux, prendre un nouveau départ, ne serait-ce que pour un moment. Je connais une femme qui a tiré le maximum d'une occasion de ce genre. Rien ne dure éternellement, pas même le monde. Mais faut le faire tourner le plus longtemps possible, hein ? On bouche les trous, on remplace les pièces, on bricole. Histoire de dire qu'on a vécu un peu, fait un bout de chemin. Et vous qui n'aimiez pas avoir à prendre soin des choses? Parce que j'avais assez de mal comme ça à tenir le coup. Quand on s'est rencontrés dans la grotte, tout ce qui m'intéressait, c'était de survivre jusqu'au lendemain. J'en avais vraiment rien à foutre de l'Amérique ou de l'avenir. Je vivais dans le mensonge, obsédé par de vieux regrets. J'étais brisé. Mais à un moment donné, en cours de route, j'ai changé. J'ai fait des rencontres et réalisé que tout n'était peut-être pas si noir que ça. Ces gens ont tout misé sur l'avenir, et sur moi. Ils n'ont jamais abandonné, ils attendaient le mur d'espoir. J'ai pas le droit de rater mon coup. Je leur dois bien ça. Même si ça implique de ne jamais en revenir. Quoi que je décide de faire, je suis foutu. Prenez soin de nous. C'est promis. Il n'y a qu'une pseudo-mer en état à l'est du relais portuaire. Il en a assez fait. Ça suffit. Très bien, Sam. Je ferai de mon mieux pour que le petit bout retrouve la forme. Concentrez-vous. Aidez-moi à trouver Amélie. Tendez vers elle, Sam. Ressentez-la. Je sais que vous l'aimez. Vous l'aimez, Sam! Putain, c'est énorme. C'est énorme, j'adore. J'adore.